Bon les gars, aujourd'hui c'est Perpignan, on va se les bouffer tout cru façon sushi. Ah oui, au fait, j'avais oublié de vous dire. Aujourd'hui, on partage la loge avec une équipe de rugby. Non mais attends, c'est quoi ce délire? Ils auraient pas pu les caser ailleurs? Bah écoute, faut voir le bon côté des choses. Oh, et c'est bon, t'as trois beaux mecs là, tout le temps à côté de toi, qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Allez, en tenue, tout le monde enfile son maillot là. Ben, ça. Bon, désolé les copains, j'aurai quelques retours à faire sur le dernier concert, si ça vous embête pas. Bon non, pas du tout, hein. T'as quoi comme retour de goût? Bon les gars, la dernière fois ça manquait de rythme, hein. Vous avez pas joué ensemble, il y a des trucs qu'on a répété, et ils nous font une situation, bah on donne pas ce qu'on a à donner. Bon, puis les gars, c'est bien joli de faire le beau devant le public, mais à un moment donné, faudrait voir à pas oublier de jouer aussi. Bon, avec ces mots à lui, mais voilà quoi. Faut que je me chauffe la voix, mais j'ose pas. Non, mais t'as qu'à changer d'exercice. Et si tu veux, j'ai un petit chant traditionnel à te proposer, là, rien. Non, mais je déconne. Les gars, après le concert, vous venez m'aider avant de décéder? Non, c'est bon, pas question. Pourquoi? Ouais, non, mais je veux pas louper la troisième mi-temps pour deux disques et trois t-shirts, hein. Ça se tient. Dis Aurélie. Oui? Tu me donnerais un t-shirt à l'affaire Capucine? Oui, pourquoi? Bah, le numéro 10 là-bas, j'échangerais bien mon maillot avec lui à la fin du match. Ouais, bah c'est 10 euros alors. Ça les vaut. Vous savez quoi? Des loges communes avec le rugby, bah moi ça m'émeut. Je trouve ça beau, moi, le partage entre le monde du sport et le monde de la culture. Désolé! Ouais, oubliez ce que je viens de dire, c'est de la merde le partage. Ah bah oui! Moi quand je partage, c'est jusqu'au bout.